Bonsoir tout le monde, nous on fait encore rejoindre nous sur télévision nationale Haïti pour nous faire un petit coup de jet sur terrain. J'en fais d'ailleurs chaque semaine. Dernière fois, on s'en pas la cagonome Thomas Jacques sur ensemble travail qui déjà réalisé, sur ça que vous faites, sur ça que tes promesses vous faites et dans qui niveau vous voyez. Nous tout ça, ben semaine ça, équipe nous, pour aller mener nous sur quelques chantiers pour nous garder ensemble qui j'en réalité à présenter, qui ça déjà réalisé, dans qui niveau travail vous voyez et finalité à ce qui s'allie. Alors c'est tout ça que nous pour nous garder. Nous allons suivre ensemble dans l'émission Semaine ça. Et là, nous allons rapidement retrouver le collaborateur Richardson Jourdan et puis Pems Jean-Baptiste. Monsieur était dans le Grand Nord et ont visité quelques chantiers pour TNH. Et vous allez dire exactement qui côté était passé et côté qui ça ouais et qui gens travaillent avancé. Et comment la population zone côté était passé comprendre ensemble d'initiatives qui prend dans le cadre caravane changement. Richardson Jourdan, bonsoir, comment nous est? Bonsoir Sergio Nolendo, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices Télévision Nationale d'Haïti. Week-end ça encore, équipe là, t'es sous terrain pour continuer faire population. Ouais, ensemble, travail cap réalisé en dans pays à dans quatre caravanes changement. Premier côté, nous terrain, nous, week-end ça, c'est dans la localité Queen, section communale Collègue, commune Inch. Côté, il y a un canal cap fait en façon pour capable protéger route là. Nous parler avec un boss qui sous chantier, même qui dit nous comment travailler ou avancer. Nous pas traiter là, nous terrain, nous, sur route Inch qui mène un pillon. Il y a un terrassement et l'agissement qui continue à faire sur ça en façon pour voir comment on a fini le travail. Et puis nous sommes allés dans Marion, qui est dans la section communale Grand Bassin, commune Terrier Rouge. Nous sommes regardé qui a avancé, qui fait dans le cadre de travail, ça a fait dans Marion. On a parlé des barrages hydroélectriques là. C'est tout côté ça nous sommes passé pendant le week-end dans Serge Nolendo. Toute équipe là est mobilisée pour capable faire la population qui ça a fait. Dans des départements, c'était Richardson Jourdan pour la télévision nationale d'Haïti. Dans le département centre, il y a mené nous tous dans le département nord-est, puisque Richardson a déjà annoncé la bien pour nous faire un coup de pied pour nous voir comment travailler à avancer dans le niveau Marion, département nord-est, pays à Pabille Baraïsa. Il pourrait aller aider non seulement agriculteurs qui viennent de l'eau pour les jardins, mais tout le monde a un gros bourrade selon les responsables dans les affaires énergie. Mais là, nous pourrons aller dans le département centre, puisque Richardson se souligne pour nous. Nous avons rendu nous sous tronçon Queen Inch, chef département ça pour nous regarder qui qualité de travail qu'a réalisé, qui importance travail ça a gagné et comment nous dans zone comprendre l'initiative là, est-ce que effectivement ça qu'a fait là capable font différence dans la vie communautaire. On a suivi tout ça. Nous trouvons nous connait dans la localité Queen, section communale Collader, commune Inch. C'est toujours la même idée, montrer la population ensemble travail qu'a réalisé en dans pays à côté nous là, regarder avec nous de nous là, c'est canal qu'a fait tout ça son façon pour capable protéger route là. Nous allons parler avec les gens qui nous travaillent et même qui vont dire nous comment travailler. Nous invitons à suivre.
Bon, canal ça sans et route pas qu'on fait sans canal parce que canal c'est curage qui veut le dire. C'est lui-même qui pourrait ramasser toute de l'eau pour route là pas détériorer. Et si pas un canal, route là craser. Ça a son façon à bailler de l'eau à côté pour le passer. Pour le passer parce que il y a un canal, il y a un bise, il y a un dalo. Biz là c'est côté qui gagne ravine qui gagne ti rivière et a dit temporaire dalo yo c'est côté qui gagne ravine qui gagne ti rivière ti rivière en permanent tout là et roche n'a posé là dans canal là. Oui c'est roche a pour fin poser roche après ça ne va faire là bon après fin poser roche a gagné monsieur terrasse yo cap mette et t'es dans niveau que y a besoin hein? Après ça y a compacté après compactage y a mettre 0,40 après 0,40 y a mettre 0,35 après ça y a mettre asphalte. Nous commençons le travail très bien, nous pas connaît si quelque l'autre problème derrière, mais pour commencement nous commençons très très bien puis nous a démarré là nous l'a marché très bien, nous pas connaît pour pire si quelque l'autre problème, mais pour commencement nous commençons bien grâce à Dieu. C'est qui ça a fait là aujourd'hui là? Ça nous fait là, on a posé roche, nous finissons faire parvage là, quand nous commençons à poser roche dans mirage là. C'est jeudi. Après ça, on a continué, demain à semaine, on continue à aller. On a fait canal sur toute longueur route là. Sur toute longueur route là, net, on a fait canal là. On a fait canal sur toute longueur route là, et puis jusqu'à quand il a fini. On travaille comme ça, les protéger nous, les protéger comme des cas de communauté. Parce que tout autant que le canal, route là vient pas gâter route là encore. Et il vient gain plus endurance pour nous-mêmes parce que là il pas gain canalisation qui fait sur route là. Doit qu'on gâter route là, bay taxi man ni problème, bay chauffeur machine ni problème, ça veut dire canalisation liée de route là protéger. Ça voilà c'est important pour nous parce que longtemps machine qu'on a fait n'importe moi sur route là pas arriver ni un chenipillon machine qu'on a collé là nous là nous liberté nous dans zone là puis travail là bien marché pour nous ça va sauver la vie tout paysan et là quand nous jeune la vie pour petit monde pour madame quand on a bosqué la vie ça important pile en ville ça intéresse nous travail qui utile zone en pile en ville. Nous appel nous dans mon là. Oui, appel moi là même travail puis madame Gaspard si monde Gaspard. Ça important pile. Toute famille en content parce que mon travail. On travaille avec petite communauté. Oui, on travaille avec petite communauté en pile en pile. Parce que même mon pied pas capable si bouton d'a collé, tomber dans la boue, si boue cheval puis qu'on a cassé dans route là qu'on a tout bail ça nous sauver tout. Aujourd'hui on a fait canal pour nous protéger route là. Protéger route là, oui canal là. Canal là, on a considéré canal nous pour protéger route là. Côté pour doit passer sur canal route là même, assuré très bien. Voilà, c'est comme ça est dans la localité Queen, section communale Colader, commune Inch. Nous avons ce canal qui a fait sur toute longueur route là. Nous parlons avec Boss qui sous chantier, même qui montre l'importance du travail ça gain pour route là. Parce que d'après ça, on fait connaître si pas un canal, route là a crasé. C'était Richardson Joudan pour la Télévision Nationale d'Haïti. Chaque semaine, nous traînons une caméra dans la micro nous pour nous capables permettre tout le pays à comprendre la réalité de diverses zones par rapport à ce qui a été annoncé, par rapport à l'objectif qui est fixé pendant la présence de la caravane. Là, nous sommes sur le tronçon Queen Inch. Là, c'est le canal qui a été fait selon les techniciens. Vous entendez que tu as répondu à une question Richardson Joudan, PEM Saint-Jean-Baptiste. Eh bien, ça pourrait aller déprotéger la route là, ça pourrait faciliter la loi. Eh bien, de côté pour le passer, et si de l'autre côté pour le passer, très certainement, la route là capable de durer de vie plus intéressant. On a toujours été dans le département centre. Là, on a parlé sur le tronçon Inch Pignon. Toujours avec Richardson et puis Pems, monsieur Bralé de Noué, qui Jean et réalité a présenté
pour tronçon ça, qui ça a fait, qui ça a déjà fait, qui ça a gagné pour réaliser. Et surtout, ça nous toujours intéressé comprendre, c'est qui différence qu'a fait. Est-ce que le pral aider dans l'amélioration des conditions de la vie de monde qui vivent dans la zone ça? Est-ce que le pral permettre que les gens dans la zone ça arrivent à vivre l'autre gens? On a le tout ça en image avec collaborateur Noyo, Richardson Joudan et puis Pems Jean-Baptiste, Jean nous dit, hein, nous pral sous tronçon H Pignon. L'équipe TNH, nous avons fait encore soutien pour continuer à montrer la population ensemble travail qu'a réalisé dans le pays, toujours dans le cadre de caravane de changement. Côté nous, là, c'est sous Inch qui mène un pillon. On va regarder là avec nous, c'est élargissement, terrassement qu'a fait sous route ça. Nous allons quitter la population, regarder avec nous. Image, grâce à l'image, vous allez comprendre qui travaille qu'a réalisé sous route Inch qui a mené un pillon. Regardez l'image avec nous. L'idée c'est permettre tout garder qui ça cap réaliser. L'idée c'est vraiment tout un démonio qui vous dit qui j'en travaille, qui ça y a porté dans la vie communauté comme différence. Et c'est peut-être ça chaque semaine télévision nationale d'Haïti fait l'on devoir pour que ensemble avec vous n'al garder comment ça y est souterrain. Image pas camper, n'a continuer avancer, n'a continuer fourni regarder. Nous prenons le nord-est, Jean-Richardson nous a déjà annoncé lui. Nous prenons regarder comment ça y est par rapport avec travail qu'a fait dans Marion, barrage Marion qui t'a
c'est un gros projet, barrage Marion, qui pourra aider, non permettre aux agriculteurs de joindre de l'eau pour les jardins, mais tout, que ce soit l'énergie, il doit résoudre avec finissement de travail au niveau Marion. Deux semaines de ça, nous sommes là, nous sommes ouais, comment ça y est, président de la République là, dans tête en délégation, t'es Marion pour regarder ouais, comment travailler à avancer. T'es gagné plusieurs membres de l'Union européenne qui t'a accompagné le chef de l'État dans le cadre de la visite ça. Pour semaine ça, qui s'est fait, qui j'en travaille, qui s'est créé pour fête. Image pour arriver tout de suite avec Richard Sonjoudan et puis Pems Jean-Baptiste. De l'autre fois encore, nous tenons dans Marion, section communale Grand Bassin, commune Terrier Rouge. C'est toujours dans quatre barrages hydroélectriques qui réalisé dans la zone. Là. Nous là, nous venons regarder qui a avancé, qui fait dans quatre travail ça, qui a fait dans Marion. Nous sommes capables de dire, par rapport avec Jean Saté, dans ce qui se passe, il y a une grosse avancée qui fait là. Technicien a travaillé matin, la journée, pour être comme capable de finir avec barrage ça, qui a réalisé dans Marion. Nous allons quitter la population, regarder l'image avec nous. Grâce à l'image, ça va comprendre la qualité de travail qu'a fait dans Marion. Gardez l'image avec nous. Thank you.
Vous comprenez parce que chaque semaine, nous marions, c'est fort que nous fournissons, j'ai regardé, nous suivons ça de près. Et puis là, maintenant, pour que jusqu'à ce qu'elle arrive dans le bout de lit, hein, ça qui pourrait aller de nous, mieux comprendre l'ensemble d'étapes qui franchit. Et puis, ouais, importance, n'est-ce pas? Travail, ça pourrait le gagner pour les gens qui vivent dans l'Odès, pour les gens dans la zone et terrier rouge, pour les grands bassins particuliers. Et très certainement, nous autres, au niveau de la télévision nationale d'Haïti, nous avons gagné de temps en temps, nous avons même des émissions spéciales, des capsules spéciales sous Marion pour aider nous mieux comprendre l'importance d'un projet comme ça et nécessité pour que la communauté arrive à approprier au delà et arrive à regarder, n'est-ce pas, avec technicien yo, qui gens ont avancé et en avancé bien vite pour que le travail soit capable d'arriver dans le bout avant longtemps. Nous avons quitté Nord-Est, nous avons quitté barrage Marion, nous avons quitté dans l'Ouest, nous avons quitté une commune assez importante qui est dans l'Ouest, la commune Carrefour, et qui sont véritables Carrefour d'ailleurs, c'est 4 à 5 départements, Carrefour est passé. Et Carrefour, son côté grand pile monde qui vit là-dedans. Parfois, même, on parlait de Carrefour comme une commune dortoir. Hein, on a quitté grand matin, tourné dans la soirée, vint dormir. Après, on tout souhaitait un bonheur que Carrefour soit capable de gagner un espace, qui est capable de gagner une bonne valeur dans les ressources pour travailler, pour faire fierté et davantage communauté. Comment ça y est pour commune, puisque il y a une direction départementale ouest, TPTC, qui lance un ensemble de travail. Chantier, pral fait remarquer, selon responsable DDO TPTCA, mais il y a un lancement de travail qui fait semaine qui s'est passée. Nous allons suivre comment ça a été et responsable pour expliquer nous exactement qui qualité de travail, moun ka fou pral capable d'assister dans le jour qui vient là. On a qui niveau travail ça yo pral côté. Non seulement l'argent dans la poche pour nous faire, mais tout n'a changé visage comme une kafou. Président Jovenel, il y a un peu d'engagement de prendre sous Carrefour, sous travail de pour le faire ensemble avec nous dans la mairie. Donc nous voulons annoncer officiellement et démarrage de travaux sur ensemble de projets que le gouvernement, que la présidence a fait à travers le TPTC dans Carrefour conjointement avec la mairie. Une expérience qui fait déjà côté que mairie travaille avec l'État qui a plus bon résultat. Donc ça a fait dans Carrefour là, côté que gagne une quantité de trottoirs depuis zone d'Inépa jusqu'à Saint-Charles qui a fait. Gagne une autre charpentière que le président a passé instruction pour nous mettre là-dedans à travers le PCHL Construction qui a fait. Nous gagnons mon repos 42, nous gagnons Tour 14, nous gagnons toute plage 26 qui saute qui a à peine terminé là avec TPTC qui a exécuté. Nous gagnons tout 365 que nous-mêmes avons investi dans fait caniveau et puis pour le président pour TPTC mettre justement asphalte au béton. Nous gagnons Canasuc et nous gagnons justement Paloma, donc ensemble de rues dans le cadre de caravane, dans le cadre de travaux gouvernement, travaux présidence pour faciliter que Moun Kafou joue un petit job, ensuite procéder à embellissement villa. Et moi j'ai honneur pour annoncer à Moun Kafou ensemble chantier ça qui ouvri, qui a facilité une création emploi bâti job dans la ville là, mais tout aider remembrer commune à travers trottoir, à travers route charpentier que Moun Kafou, ça fait presque 25 ans souffri de ça, a souffri de ça et je dis à nous le privilège pour nous annoncer lancement travaux. Nous voulons profiter de l'occasion ça pour demander Moun Kafou qui dans charpentier, qui dans Tour 14, qui dans Eco Plage 28, qui dans 365, qui dans 67 pour collaborer avec mairie, avec TPTC, parce que nous n'avons pas de temps pour faire expropriation. Donc, il faut participation par eux pour que ça ne soit pas campé. Donc, on met une phase qui a duré 3 mois.
nous demandons la participation de monde qui a caille, qui a clôture, parce que nous sommes obligés de procéder à la démolition pour ne pas perdre du privilège et projet ça. Bien content, je vous remercie le président, vous remercie le premier ministre, merci le gouvernement, vous remercie le ministre Kayo et tout TPTC qui, je dis à, eh bien, il y a un projet à exécuter sur cette ville-là. Donc, je dis à une reprise totale du gouvernement de l'État sur Carrefour. Donc, je dis merci comme magistrat dans notre conseil municipal là, dans tout le monde Carrefour, nous voulons remercier le président pour le projet ça qu'a fait sur Carrefour. Et n'a pas assuré que vous pas campé, n'a pas assuré que les gens qui ont un contrat, vous exécutez à la lettre, n'a pas assuré que les gens qui ont un job, n'a pas assuré que vous sécurité pour nous continuer à mettre la paix, la stabilité pour Carrefour, pour nous continuer à lancer une belle image de stabilité sur Carrefour. La présence nous là, c'est dans le cadre d'un lancement de projet haute intensité de main-d'œuvre. En fait, autrefois, et haute intensité de main-d'œuvre, vous avez dit, c'est prendre pelle, prendre bouette, prendre piquois, nettoyer, prendre balai, nettoyer la rue. Donc, c'est sûr que vous avez gardé soit sorti depuis Matissan, depuis 5e avenue, sorti pour montrer Carrefour, pas pour vous la bien belle. Vous avez dit, vous n'avez pas fait la rien. Donc, on a une haute intensité de main-d'œuvre côté magistrat, vous avez fait nettoyage avec les gens qui sont dans la zone. Mais TPTC, nous avons haute intensité de main-d'œuvre là tout. Mais haute intensité de main-d'œuvre, pas nous, ministre, est venu avec un autre projet pour lui. Il dit, nous pas de voler, prends balai, prends pelle, prends piquois, nettoyer après quelques jours, après le retourner ça encore. Mais ministre, est venu faire des projets structurants. Il dit, nous avons fait niveau, n'a pas coulé béton chaussé, avec des couches de roulement, n'a pas mis le tout, n'a pas fait trottoir, et j'ai nous campé là, côté de campé là avec magistrat Jude là, n'a pas fait trottoir, et n'a pas fait tout ça au coin, n'a pas fait d'alou, n'a pas fait bassin et pour retenir, et bassin de rétention, n'a pas retenu sédiment. Donc c'est très intéressant et m'apprécier ça, les ministres sont venus à Bouja, ils dit bon, et DDO, et directeur général là, tout le temps là ensemble, ils dit bon, nous pas faire nettoyage, j'aime mon ouvrier, n'a pas quitté ça pour magistrat, mais nous-mêmes avec haute intensité de nous avons fait des projets structurants. Nous avons fait mon travail réellement parce que nous ne pouvons pas venir avec camion béton pour nous vider béton. Nous avons mis 10-15 malaxes dans la route. Là, on va le semaine prochaine, on va commencer à faire ça. Ça, c'est la préparation qu'on a fait là. Magistrat là, mettez tout le monde dans la zone, mettez au travail. Donc, nous pensons que c'est quelque chose de normal qui est très bien pour la population, pour le jeune travail, pour le faire. Ça, c'est lancement de travail, démarrage, on a fait là. Oui, ça, c'est lancement de travail, trou 3 et route Carrefour. Route Carrefour, route nationale numéro 2, côté de Gambéa. Donc, si vous regardez, vous route là bien belle, mais si vous regardez à côté de route, vous ou bien l'aide. Pas de fatra non, mais ou est la li en terre battue et toute qualité de l'eau a descendu sous lui, donc pas grand être fait. Donc, magistrat Jude qui a longtemps, qui a goûté pour ça, et les ministres qui sont venus à Bougea, et magistrat qui a couru, venu, dit qu'on a bon, le récit a fait ou de cafou belle. Donc, et nous commençons là, puis nous couler béton hier, mais là, on a préparé pour nous descendre, pour nous capables de faire assainir en zone ça, route nationale numéro 2. C'est plus, oui, n'a pas un pile ou cafou dans quatre projets ça. Quatre projets, ça par exemple, nous avons un coup de plage 26 qui nous demande depuis avant, qui nous finit asphalte et qui finit. Nous avons un coup de plage 28 qui nous va descendre dans la pour avoir un gré de là dans le lac, commencer à faire reprofilage. Après ça, pour nous faire caniveau, pour nous faire tout droit. Donc, nous allons prendre mon repos 40, mon repos 42, Canasuc, Paloma, Tor 14, Tor 67, côté magistrat de Diane Charpentier, que nous allons travailler. Ensuite, l'autre gros projet, son l'autre projet qui a sorti la boule 12, qui a descendu sur devant Méria, qui c'est Dikini. Et c'est Dikini qui a descendu depuis la boule 12, qui a descendu devant Méria, donc sont l'autre gros projet encore et gon l'autre branche encore Cap Tombé rivière froide. Donc c'est un gros projet sur route Carrefour. Qui mesure bien ensemble disposition nous va prendre pour mettre projet ça bien atterri là. Non, projet c'est pour atterri, il est déjà atterri parce que on commencer déjà. Donc fonds disponibles déjà, fonds disponibles sur compte DDO, on va dire sur compte travaux publics. Donc n'a travail, ça qui est essentiel là, c'était créer emploi. Mais créer emploi, c'est pas créer emploi n'importe qui gens. C'est créer emploi pour faire des travaux que les tout le monde garder après 10 ans, après 15 ans, il a gardé les travaux là à terre. Parce que l'on fait nettoyage ou balai, après ça fait travailler encore. Mais sous fait trottoir, après 10 ans, après vous n'avez marché sur toi. Sous fait chaussée, sous fait route ou fait caniveau, ou après 10 ans, après route là en face. Même petit tout le monde qui vient après route là en face. Donc l'argent ça, qui c'est à peu près 14 millions de dollars américains qui disposent pour faire ensemble des travaux ça dans 6 départements, pour vous tenter de mettre ça dans le travail public. Donc c'est pour atterrir, il y a atterri déjà. Après, qu'est-ce qui compte nous toucher là? Et nous gagnons, Cité Soleil qui nous balance cette allée comme ça, et ma déjà l'autre bois l'attendre nous avec toute député qui nous balance des travaux de curage et des travaux qui nous balance faire des bétons de chaussée dans zone barrière fait fontaine et Blanchard toute zone ça. Donc après ça gagne dans l'autre département yo. Et si nous prenons l'ouest ça toujours nous gagne bit boye dans même projet ça nous gagne bit boye qui n'a fait nous gagne marché tabac là pour nous faire nous gagne route et Claircine dans deux places Claircine qui a fait quoi des missions que les routes des rails pas route des rails mais route des rails sous tabac nous gagne pour nous faire
Et nous avons ensemble des travaux qui ne sont pas finis. Nous avons un petit frère social qui n'a pas fait même travaux ça. Et pas oublier que nous avons gros projet pour nous prendre un cafou fleurio, pour nous tomber quoi des bouquets, que nous avons un coup de chapeau pour nous qui a crasé là. Et qui a soit moi-même là matériellement, je commence à faire enlèvement, faire nettoyage, faire décapage pour nous aider. Donc c'est ensemble des travaux. L'autre département va frapper, je ne parle pas des projets caravane qui sont des projets de grande envergure qui dans tout département, qui dans presque dans toutes les communes du département qui a frappé, mais je parle des projets. Ça que nous gagnons pour nous faire route dans cette bande là projet Imoa, c'est de l'imbalo seulement, même pas parler de gros projets qui direction d'a oublié la faire dans le département. Certainement, mon carrefour t'a noté ensemble de travail responsable annoncé qui va le fait sur la commune. Nous-mêmes, dans le niveau TNH, nous avons de temps en temps pour nous regarder comment travailler. Est-ce qu'effectivement, le travail va fait dans quel point il a avancé et puis faire la population, très certainement, réagir sur ce qu'a réalisé sous carrefour. Vraiment, le chantier qui lancé, là, et Jules-Édouard Pierre, c'est magistrat et commune carrefour, qui c'est tout président de la Fédération nationale magistrat haïtien, ensemble avec Indigent Louis, qui c'est directeur département à l'Ouest TPTC, il a porté ensemble de précisions et magistrat Kafou a parlé de tout travail qu'il a réalisé dans la commune pendant le lancement de travail qui a fait pas trop loin mon repos 44. Ingénieur Jean-Louis lui-même souvent parlé de l'autre zone dans le pays, dans le département de l'Ouest, notamment pour bénéficier de présence équipe caravane, présence travaux publics, transport, communication, que ce soit pour curer, que ce soit pour faire route en bonne et due forme. N'a pas avancé, n'a pas quitté Kafou, nous pour aller Tabar avec magistrat Ni Simon, toujours dans la même ligne, toujours dans la logique, fait à niveau, et puis TPTC a mis asphalte. Semaine ça, gagné un travail qui lancé sous Tabar. Image au Paris, on a suivi ensemble. Comment ça y est? Remerciement avec le président Jovenel qui t'a fait nos promesses, avec le pouvoir central qui travaille de concert avec le mairie de Tabar, que jeudi a que nous commençons à mettre pierre exactement pour la commencer faite. Son autre cap dirait 3 mois. Que je suis certain que j'en nous que dans l'élection nous t'a fait que commune en promesse que nous avons fait autre. Et bien finalement que jeudi a là et conseil là certainement à travailler de concert avec DDO. Et puis ensemble avec l'État central, nous faisons pour tout ce qu'on est capable de faire. Je suis certain que le bloc island a diminué, premièrement. Et puis nous connaissons que la canalisation, le côté que la pluie tombée, l'eau toujours à battre pour entrer dormir dans la commune, nous croyons que ça va le finir.
Nous gagnons au niveau de recette propre mairie, nous avons fait 17 km caniveau. Et Jean-Président Jovenel a dit dans le temps, le magistrat a fait caniveau et même il a pété asphalte. Et effectivement, mairie a commencé à voir résultat, commune a commencé à voir résultat de investissement que nous avons fait. Pour ça, aujourd'hui, nous commencé pour nous capables de gagner une meilleure vue de commune. Depuis pas de route, nous n'avons pas de développement. Depuis ce côté, gain route, gain développement. Nous commençons là, gagnons en 36 qui commençait tout en même temps parce que c'était là notre premier fait caniveau. Nous avons route rail en tout qui là depuis sous magistrat Théodate qui était fait en caniveau. Malheureusement pas de jambe asphalte qui était fait dans yo et journée aujourd'hui pouvoir central effectivement nous avons porté plaidoyer et yo après mettre asphalte là-dedans. Nous avons un problème au niveau tabac que tout pays en connaît Kafourita. Là gen la pluie Kafourita toujours inondé. Moun yo toujours gen problème avec Kafourita. Effectivement dans plaidoyer que nous t'ai fait au niveau de pouvoir central nous même au niveau mairie effectivement route ça problème ça pour le résoudre à travers travaux publics côté que on va le prendre loin depuis dans Cara 2 puis drainer dans zone AVCT pour tomber dans rivière Grise directement sans que le pas obligé passer par route aéroport là Kafourita route aéroport et n'a profiter annoncer moun qui dans zone ça autour gen en pile caille Jean président toujours dit qu'il va le déplacer parce que gen pile caille qui construit sous canal yo et pour nous capable faire gros travail ça que toute population pour le bénéficier et tout pays en général pour le bénéficier c'est pour nous capable effectivement craser quelques côtés qui étaient construits sous canal yo pour nous capable déverser de l'eau directement depuis en haut pour nous drainer pour y aller dans rivière Grise directement l'état central et l'état communal mais de tabar tant mieux pour faire asphaltage dans la commune, nous battons bravo la contentement pour nous dire c'est bon travail et laisse à tout population par le biais des contribuables, l'argent qui sera la fait pour le développement du pays. La zone, ça c'est tout périmètre machin qui l'a fait en béton sur 7 mètres de large. Donc ça veut dire plus que 2 km et puis 7 mètres de large qui va le faire dans la zone ça juste pour finir avec le problème que tout le monde a enduré dans la machine. Même dans le pouvoir central là, pour mettre mes pour faire travail là, net aller. Oui, c'est un bel tel à faire pour moi parce que c'est quand je suis venu travailler, c'est aller là, puis tomber tellement de l'eau là. C'est sous dim fait, là, nous mouillons les pieds nous dans la bois, nous pas qu'à souder même. Parce que belle bas, belle tel à, c'est belle tel pays, allié, belle tel nous. Nous sommes capables de constater l'autorité locale qui est impliquée dans l'ensemble du travail qu'a fait dans la zone. Et c'est de bon temps, puisque au fait, c'est des autorités de proximité. Une chose, dans lancement de caravane, tu as un pile de fois que tu as fait pour que l'autorité locale ne pas de l'eau. Et là, finalement, et je l'ai accordé. Nous sommes à Cafou avec Julie Droit-Pierre, magistrat communal. Nous sommes là avec Simon et puis le reste membre du conseil là, qui au même tout parlé sous importance et nécessité de travail qu'a fait. Mais tête collée avec le pouvoir central. N'a pas avancé, n'a pas quitté l'ouest, n'a pas pris direction ni, pas oublié, il y a un objectif, et caravane, selon les responsables, c'est arriver à connecter communes. C'est arriver à permettre la circulation, possible, c'est arriver à faciliter la production paysan, sortir dans la zone, pour arriver à la ville, et arriver pourquoi pas à l'autre côté. On a commencé à y aller avec GFOR, qui commence à fête, dans le niveau en Savo, et l'asile, Arnaud, puisque semaine ça a gagné lancement travail qui fait et la commune ça a doué connecter yuna clot les travaux fini pendant lancement ça équipe TPTC a te bail détail sur qui ça travail ça au pral impliqué dans qui ça travail ça consistait
autorité autour dans zone député ont parlé sur ça ça représente pour le fait que finalement travail ça arrive lancé dans quel niveau quoi ça capable faire une différence dans la vie mon savo mon ano et mon l'asile dans le département NIP Michel Joseph pour amener nous l'asile l'a mener nous tout ano l'a mener nous savo pour nous regarder comment ça est. Ça a bien lancé dans l'asile malgré que c'est commencé déjà, mais il a bien lancé officiellement pour nous dire président, mandataire, nous dit député, Vieville, parlez avec tout le monde, bah monsieur, pression pour moi, pour la rivière Vieux Boudaké, dans 2 mois pour nous mettre Alpha sur toute route là. C'est ça, l'usine. Et député a demandé, si nous faisons lancement, ça va, pour nous faire lancement à l'asile, nous député à tout directeur, à tout responsable, sénateur, nous dit oui. Oui, restez oui. Et c'est ça qui fait moun. L'on va mentir, ou sont criminels. Mais l'on a un mot d'honneur, ou c'est un monde bon Dieu mette mes sous. Ou sont moun qui bénit. Et bien c'est dans le cadre ça, nous respectons nous, nous venons lancer caravane avec député, avec magistrat, avec sénateur, dans la commune l'asile. Pour nous dire, moun bien boudake, nous pas besoin de paix, nous sous nous. Nous dit moun kapol, nous pas besoin de paix, nous sous nous. Moun l'asile, moun sanaï, ça veut dire, déjà, département Sidla, président te dit, bel et bien, faut département Sidla, connecté à département NIP, faut département Gandesla, connecté à département NIP. Et une fois pour toutes, département NIP la pral tourne. Un bébé, un bel bébé, un bébé soi, un bébé qui fait trop vivre, mais pas camarade, tellement belle, tellement pas soi. Ça veut dire, département Niplan, c'est un département référence. Ça veut dire, je dis, si je suis là, non seulement président de Bambay, non seulement sénateur, cadre de Bambay, non seulement non moi, dans nos circonscriptions en Savoie, je ne suis pas à Kabida pour ne pas dire nous, commune à nous. Comme il en savait, comme il asile, nous c'est frère accès. Ça veut dire, là, pas de garçon qui est là, travail là, lui lancer. Depuis le petit concours, ma boum a béré jeune, promesse à fait sous dos, route ça, dans le gros jour ça, bénédiction commence à tomber. Je dis, en pile parole en pile attente, question tribababo a posé, en pile commentaire à faire. Je dis à l'administration Jovenel Moïse, Seigneur, eh bien, arrivé attaquer gros tonton, défi ça, que mon asile, mon ami, parce que l'asile, c'est commune, nous t'a dit, qui n'a que le département NIP. Donc l'asile, c'est une commune transversale, eh bien, administration Moïse, Seigneur, attaquer, et je dis à l'Ivini pour lancer. Construction, route, cap sorti, vieux bout pour entrer l'asile, à nous en savon. Il fut un temps, au premier lancement fait en savon. Mais je me demandais quoi la ville, malé, la caille ensemble avec lui pour nous lancer, route là, et bien je me dis, on l'a tout, il faut que nous venions lancer, route ça à l'asile tout. Parce que l'asile, en réalité, son gros commune et son commune qui datait longtemps, depuis 1934. Donc si je dis un bon travail qu'a fait là-dedans, et président, il passe instruction pour que toutes les instances qui concernent, particulièrement caravane changement qui est membre là, en fait, je pense que c'est son bon signe, le haut gouvernement, le haut président, haut administration, pensez à arriver pays à comme ça. Décentraliser l'activité qu'a fait. Parce qu'ils avaient longtemps, l'asile attendait parler de construction route, mais c'est pour grandes villes. Mais je dis, donc, gouvernement ça, administration ça, pensez à ça, donc moi c'est son bon signe. Et nous-mêmes en tant que parlementaires, nous-mêmes en tant que représentants de circonscription l'asile, là, nous ne pas ménager une seconde pour nous apprendre, support nous à toute qualité d'activité dans le sens pour atterrir sous peuple haïtien. Donc, parlementaire Nipio qui va là, en général avec nous,
Donc, tout yo contribué dans ce qu'a fait la journée. Que ce soit ces députés qui sont dans la circonscription Baradère, députés qui sont dans la circonscription Miragouane, députés qui sont dans la circonscription Payan-Tirilière, députés qui sont dans la circonscription Fondenec, députés, bon, pas besoin même de députés Anoa, parce que son frère lié, et mettez toujours mêlé avec nous, avec sénateurs, sénateur Cadeau Denis, sénateur François Denis, et tous les représentants la Jodia pour venir parler dans l'événement ça. Donc, je remercie dans la communauté d'asile. Je vous dis aujourd'hui, c'est le lancement du travail qui a fait. Donc, aujourd'hui, littéralement, c'est temps pour que, effectivement, le travail ça a commencé. Malgré qu'il y a un pile de monde qui sous doute, qui toujours a posé des questions, spécialement à moi-même, magistrat, est-ce que vous, l'asile Vieux-Bou en Savoie a privé fait? Je n'ai pas de doute pour me répondre, pour me dire oui. Route là a fait. Et ce qui s'est basé pour me dire route là a fait, c'est parce que moi, président déjà fait route en pile côté dans le pays, il fait en nord, il fait en sud, il fait en l'ouest. Pour qui ça, c'est nous-mêmes la NIP qui pour t'avoir doute que route la NIP n'a pas fait. Donc, ça va nous en pile espoir, le fait que nous faisons, nous avons une route de l'autre côté qui fait déjà. Ça a arrivé que y a plus de monde qui comprend que la route là est supposée faite déjà. Mais nous voulons dire tout le monde, même gens, là où on a préparé manger, là la cuisine, là le bas, la cuisine, là, lui met du feu, lui lave chaudière, lui prépare épices, et c'est même gens tout, route là y est tout. Ce n'est pas jeudi à demain, route là privée fait, mais. Si le président étant lancé caravane dans le savon, l'écrasé dans le savon, ça veut dire qu'il n'y a pas de cuisine déjà. Il est passé à nous, l'écrasé route la commune à nous, ça veut dire qu'il fait aliment. Et je dis, la commune d'asile, si nous faisons lancement pour écraser la commune d'asile, ça a déjà montré que chaudière à la vie. Donc nous avons espoir, le jour qu'il a venu, caravane pour aller retourner à nos kounye là pour aller préparer pis pour manger à bien fait. Ça veut dire nous allons commencer à mettre gravier sable sur route là de façon pour que route là arrive fait genre tout le monde attend. Donc c'est pas jeudi avec demain route là a fait, mais la petit temps nous dit tout le monde prend patience, rien pas arrivé avant l'aile. Route là la privée fait vieux pour l'asile le savon, nous pas gain doute dans ça. Des gouvernements qui passent 5 ans, ça nous est gouvernement Jovenel Moïse, comment c'est fait là 2 ans, lui sous pouvoir, et bien des gouvernements qui passent 5 ans, il n'y a pas arrivé ça le faire déjà là. Donc, il y a un pire problème dans le pays, c'est vrai, mais nous avons demandé population, monde qui pas veut quitter le gouvernement travail là. Eh bien, le gouvernement a une chance pour le travail. Nous avons gouvernement Moïse a courage, parce que les bas pour le casser, c'est les Alpes et noir. Mais ça n'a pas empêché petit petit, soleil là, venir pour créer toute terre. Nous avons profité pour nous dire, gouvernement Moïse, route l'asile, ce n'est pas seule priorité commune. Non. C'est vrai, c'est une priorité, mais ce n'est pas seule priorité. L'asile charge l'autre problème toujours. Par exemple, section communale qui paraît lié à la clotte, et nous pensons avec le président Caravana, et bien le travail ça va lui fait. Jodi a jour plus important pour la commune, ça l'arrivé. L'arrivé parce que nous venons lancer dans la commune, caravane changement, caravane qui pour faire route, l'asile, alors, disons, Arnaud, l'asile vieux Bourdaquin, lui était vrai que c'est un travail qui était lancé déjà, dans un premier temps, sur Arnaud, et puis pour le monde qui fait route là, il y a pris compte que nous sortis en Savo, nous passons Arnaud, nous passons Bodboga, nous sommes avancés. We'll be right back.
Travailleurs qui lancé nous attendait autorité commune l'asile Arnaud et qui ont même toute précision sous qui ça peut passer là dans le cap vinio pral gagner et connexion hein finalement et commune Arnaud commune Savo et l'asile rivé vieux boudaquin pral connecter une clotte après travail fini travailleurs qui lancé officiellement semaine qui saute passé là et puis nous même ça n'a pas pour nous faire c'est de temps en temps à regarder pour que sa technicien a réglé pour que délai nous sortons des monsieur Sodi là finalement pour que délai ça lui capable respecter. On a parlé avec ministre PTC ingénieur Fritz Caillot pendant ce matin qui était dans lundi la presse ministère culture et communication c'est un espace aménagé pour que ensemble d'autorités dans l'état viennent dire ça a réglé et partager à la population toute information jugée utile et nécessaire. Là ministre Caillot qui même a dit nous ensemble deux chantiers TPTC gagné à travers le pays comment ça avancer pour caravane sa perspective y est tenant compte de ça qu'a fait journée aujourd'hui à tout ça plus encore avec ministre travaux publics transport communication ingénieur Fritz Caillot. Dans le département du Nord-Ouest, si nous prenons la commune pour du Nord, nous allons intervenir sur rue Lacroix, pour le monde qui connaît le Nord-Est, rue Saint-Augustin. Au niveau de Fort Liberté, nous allons intervenir au niveau de la rue Saint-Charles, la rue du Quai. Et au niveau de Wanamet, nous allons intervenir avenue Soleil et rue Garoutière. Dans le département du Nord-Ouest, on te dit que Port-de-Paix, c'est une zone à forte concentration populaire. Après, on est intervenu au niveau du Nord-Ouest, avenue des Trois-Rivières, Port-de-Paix, La Tendrie, rue Notre-Dame, rue Chalet, après Trois-Rivières, et rue Trois-Grandes. Ensuite, nous gagnons au niveau de Hinche, nous avons la rue Capois-la-Mort, rue des Petites Sœurs, rue du Marché, oui, Colat, oui, Palma. Mirbalet, nous avons intervenu, oui, la crème, oui, l'hôpital. Sodo, nous avons intervenu à rue Pétion. Savanette, oui, Palma. Dans l'ouest, nous avons intervenu dans le tronçon Peignet, route et oui, l'ouverture, côté nous, des CPG, nous commençons à ouvrir ça fait quelques temps. Nous avons tout pieds bois là où nous sommes déplacés, nous allons mettre en troisième voie. Et nous gagnons pont Tabar vers Marassa, ça où le Tabar 27 là, que nous commençons déjà. Et là, sur environ 2 km de pont Tabar là, vers Croix des Bouquets, sur 2 km, nous avons environ un mois depuis nous commençons déjà là-dedans, nous avons continué le cadre programme ça. Nous gagnons Cité Soleil. Cité Soleil, nous gagnons zone barrière fait. Nous avons Fontaine, nous avons Rapatrié. Nous avons But Boyer, nous avons Côte-Plage 28, nous avons Route Nationale numéro 8, nous avons Côte-Plage 26, nous avons Côte-Plage 28, que nous avons intervenu. Nous avons Avenue Panaméricaine au niveau de Mont-Lazare, et nous avons Delma 2, nous avons Santo 3, Route Nationale numéro 1. Nous avons Mon Repos 40, nous avons Route des Rails, Croix des Missions, Claircine, qui passait exactement dans la zone côté nous, l'église Croix des Missions, qui a sorti sur la place là. Et nous avons la zone du marché de tabac, Claircine 15, nous avons Tor 67, zone Charpentier, Montigon Carrefour. Nous avons la route nationale numéro 2 à Carrefour, à partir de l'intersection route des rails et route nationale numéro 2 hein, en allant vers le sud. Nous avons intersection route nationale numéro 2 et Carrefour par les rails, ensuite la rue Larac. Dans le département du Nord, Cap-Haïtien, nous avons rue 23, la rue 14, rue 21-27, rue 11, rue 8,
813 Nord et la rue 26. Au niveau du département de l'Artibonite, si nous prenons Gonaïve comme zone de concentration, et nous gagnons dans Gonaïve environ 5 tronçons de rue, Ruel Romain, Ruel Nazareth, Ruel Olciné, Cassoleil, Poussable, Saint-Marc, il y a toute zone Saint-Marc là, et Marchand des Salines. Ce sont des zones sur lesquelles que nous-mêmes, au niveau du ministère des Travaux publics, nous allons intervenir. Et en gros, parallèlement, comme l'Ouest là, son côté extrêmement difficile, nous avons décidé, parallèlement, au moins, et initier des travaux de curage. Et curage, là, pas le fait, c'est des curages manuels et mécaniques. Tout le monde qui compte une zone métropolitaine, n'a pas grand côté pour le faire curage mécanique, pour pas faire manuel, là, parce que pas quitte au fait. Alors, comme dit nos travaux, ça, ce sont des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Et, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, là, faut ne pas prendre même, genre, assainissement qu'a fait, et là, oui, c'est des travaux structurants. Côté, m'a fait trottoir, m'a fait caniveau, on prend, m'a fait chaussée, et surtout, m'a fait fossée maçonnée. C'est des travaux durables, même après 10-15 ans, ça ne finit pas là, on a brûlé l'état terre. C'est ça que moi-même, moi, projeté pour me faire dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. En gros, si on a regardé en résumé, et nous avons intervenu, par exemple, au niveau de l'Artibonite, là, sur une longueur de route de 3642 mètres linéaires. Au niveau du centre, environ 2466. Dans le niveau nord, nous allons intervenir sur 3521 mètres linéaires de chaussée. Et nord-est, sur environ 3418 mètres linéaires de chaussée. Au niveau du nord-ouest, sur environ 4178,57 mètres linéaires. L'ouest, nous allons intervenir sur 11802, ça va environ 11 km de route que nous avons fait dans le département de l'ouest. Donc, ça, c'est dans le cadre programme à haute intensité de main-d'œuvre. Même d'arrêter pendant la présence point là, parce que ce n'est pas facile que moi-même vienne communiquer dans la presse, pour me dire dans le cadre caravane, qui ça nous fait dans le niveau département, au niveau des différents départements. Par exemple, dans l'ouest, par exemple. On monde qui a regardé l'ouest là, son moment en bas. Quel que soit ce qu'on fait là, dans le département, ce n'est pas l'ouest seulement, lui représenter un goutte d'eau, parce qu'il y a tellement de gains pour faire. Parce que, on ne peut pas penser, dans 21 mois, dans 18 mois, maintenant 5 ans, pour résoudre des problèmes qui dataient de 1804. Donc, il n'est pas facile pour résoudre tout problème. Mais, notre travail, avec faible moyen que nous gagnons, faut me dire nos 90%, ça n'a fait là, c'est avec ressources, maigres ressources que nous gagnons, c'est avec une affaire. C'est toujours trésor public. C'est pas, et appui international. Donc, nous, les travaux qui ont commencé déjà, par exemple, si nous prenons Gonaïve, Henri Plaisance, Plaisance Kankok, travaux, ça, c'est des financements internationaux, par exemple, avec la BID, les tronçons de route. Donc, pour ça, ça va continuer au financer. Mais pendant que là, vraiment, nous pas joindre vraiment en pile appui sous et de la part de international. Là. Si nous prenons l'Ouest, par exemple, ça l'a fait dans l'Ouest. Tout le monde qui nous compte, première, deuxième, troisième cité. Première, deuxième, troisième cité, là, c'est tout le monde qui passe devant l'église Shalom dans le matin 10 mois, 11 mois avant, à la donne, regardez qui j'en étais, Kounia, à la garde de Bourguen. Nous avons fait environ près de 5 km de route. Caniveau, plus chaussée. Si nous regardons la rue Magua. Rue Magua, c'est la rue qui relie, par exemple, Delma 31 à Delma 33. Caniveau, trottoir, chaussée. La rue Dalia. Rue Dalia, c'est rue qui sortit dans la tête Catalpa. Les gros branches, la rue Passiflore, qu'elle sortit sous Faustin Première. Fait qu'à niveau chaussée là-dedans. Et on a regardé dans le niveau 15 coffres fusil. Nous fait adoquinage dans la zone de l'église Saint-Michel là, sous en route dans la zone 15 coffres fusil. On a regardé, on a relié route qui sortit, Grécier, passant par Colin, tombé Bélo, Alcafou Maroca, dans la tête 15 coffres. Pourquoi là, environ 12 km, soit environ 24 km qu'il a fait. Et si on a regardé sous route Tomazo, de la route nationale numéro 3
à rentrer Tomazoa, ou après là, m'a déjà à mieux que 2 km de caniveau que me fait la donne. Mais m'a continué à partir de Tomazoa, traverser Tomazoa, et je reprends d'Amdou, donc me prend et route Cognon-Grandbois. Cognon-Grandbois, après, là, me suis environ 10 km de mise au gabarit de la route, élargissement de la route, et là, tout, après, me commencer à mettre béton sur route ça. Si nous regardons et dans le niveau Bolos, là que nous arrivons, Bolos il fait nous à peu près environ 900 mètres linéaires de route. Nous faisons 8 ouvrages de traversée la donne. Tout le monde qui était contre Bolos dans le temps, il va passer, il va regarder, Jean Machin ne va pas trouver dans la boue, dans l'eau. Quand il y a là, ça n'a pas existé. Et si nous prenons la route JB de Sable, JB de Sable, c'est la route qui est reliée, par exemple, et la rue L'Ouverture qui passait. Et il est passé devant l'hôtel de Chandelier, là il sortit exactement dans la route Kotowé et mairie de Delmaï. Donc route ça allait asphalter déjà, nous fait caniveau chaussée la donne. Et nous parlons de boulevard, nous parlons de actuellement la route nationale numéro 8. Route nationale numéro 8, là, c'est route qui partit de Croix des Bouquets rivé sous frontière. Sous frontière, on m'a regardé là, sous frontière, ou après, on commence à revêtir son route qui va travailler là depuis mieux que 2 mois. M'a fait des travaux de terrassement. Mais depuis qu'il y a environ 3 semaines, ou après, on commence à mettre revêtement là-dedans. Déjà, m'a environ 650 mètres linéaires et deux chaussées avec un largeur de 8 mètres. Et, dans le niveau Mont Lazare, l'on rentre dans Mont Lazare, l'on monte sur l'avenue panaméricaine, ou virer à gauche, en dedans ça, zone ça, les rues mourraient pas, ou après que, moi, fait qu'à niveau là-dedans, on commence les chaussées, on beaucoup fini, on continue avec. Et, la rue Audin, on monde qui connaît rue Audin, c'est l'or sorti Vivi Michel, ou entrer dans Belleville, il y a une route qui sortit exactement sous celle-là. Nous, depuis combien de temps, il y a un pile à d'insécurité qu'on met sur son route ça, parce que on pas quand même prend à aller à même à 30 km à 20 km à l'heure. Donc, on peut aller l'aide monter là, nous faire route ça. Si nous prenons route, l'hôpital communauté haïtienne, qui n'est pas fait depuis combien de temps, soit pour qu'on y a que me faire route ça. Et, dans Delma, 40B prolonger, on peut là, me faire caniveau, et puis me faire tout droit. Et là, c'est pour, là, on était dans le département de l'Ouest. Si je prends un nord, qui ça me fait dans le nord? Zone Fort Saint-Michel, l'Enrivé, nous déjà fait depuis 18 mai et 14 mai que nous commençons à faire revêtement la donne. Zone ça, nous déjà fait 6 km la donne. On monte dans le nord, on monte dans une zone noire avant de prendre aviation. Si nous passons dans la rue du Fort, rue Pionnier, rue Notre-Dame, impasse Notre-Dame, rue Jean-Paul, rue Oscar, Rue Chavannes, on a regardé tout le coup de ça déjà asphalté, environ 6 km. Et nous avons au niveau de Kankok-Vaudreuil. Kankok-Vaudreuil, c'est une route qui bat environ 30 km. Mais il faut que nous, sommes très avancés dans la route, tout le monde qui connaît, même le faire radio, on n'a pas presque 4 travail dans cette zone. On a fait 11 jours de travail, 2 jours de travail, on a 2 bandits qui empêchent le travail. Parce que là, ma vie est presque 5 km, 4 km et quelques. Mais sur 30 km là, on garantit nous, actuellement, on a supposé sur 20 km. Et, monde qui connaît, par exemple, dans la zone Milo, l'a fait Kafou, et Barrière Bateau. Kafoumina, là, c'est dans la zone côté pont de Grand-Rivière du Nord. Là, c'est 6,2 km. Tout travaux de terrasse pour ça, c'est fini. Mettez 0,40, mais la plein de revêtement. Et, nous avons un baron, Grande Rivière du Nord. Nous faisons un reprofilage. Sous 18 km, nous déjà sous environ 4 km. Mais nous avons un réel Pétion, au niveau Limbé. Nous avons un Gabar. Si nous avons passé au niveau de. Si nous prenons le Nord, nous prenons par exemple Grandas, par exemple. Grandas, au moins nous avons regardé au niveau de Grandas, il y a près de 22 rues que nous mettons. Depuis environ un mois et demi que nous mettons en phase zoli. Et dans 22 parmi, 22 risaoum, on va citer nos quelques, qui probablement des gens qui vont dire qu'ils connaissent. Nous gagnons l'enfin qui était pas estimé pour entrer à Foubac. Tout le monde connaît la zone ça qui j'en dis. Mais quand il y a soir là, on fait environ 1 km qui est lié de pont estimé à Kafoubac pour entrer Jérémy. Rentrer par Saint-Louis, on va pouvoir me faire qu'à niveau là-dedans, faire tout droit.
fait chaussée. Oui, bois mon tonnerre. Pour pouvoir me faire caniveau, chaussée la donne. Oui, Eugène Macron, idem. Oui, Monseigneur Bourget, même bagala. Oui, Stéphane Vincent, caniveau, me fait chaussée. Et ensuite, nous avons oui, la paix. Sur 14 minutes, je me fais caniveau seulement la donne. Ou après, oui, Sterling François. Nous fait qu'à niveau. Et puis, nous gagnons zone Caracoli dans la rue Jean-Cyril, déjà chaussée en béton. Si nous prenons le département de NIP, département de NIP, ou après zone Lomont, Dessous, Labousse et Rivière et Berrière, sous 55 km, nous fait reprofiler et recharger toute l'idée. Ça. On s'avoue. Arnaud, Baro, qui pourra la game, vieux boudaquin. Je vais faire des fossés maçonnés, je vais faire reprofilage, je vais faire rechargement. Route qui mène exactement à Kafou Baradea, ça dit que à Waf Baradea, là, sous 4 km, je vais faire intervention sur route. La plante que mes revêtements sous lui. Et nous gagnons route Virgile et Bidouze. Ça, nous commençons à faire au profilage, nous commençons à faire au chargement et la donne. Donc, il faut qu'on finisse la pas. Et ensuite, nous gagnons la rue du Four. C'est dans le niveau Charlon-Miragouane. Nous gagnons Savane-Ouest à Bekin. Côté, nous faisons environ 2 km de chaussée la donne. Si nous avons la rentrée dans le département du Sud, qui ça nous fait dans le Sud? Sud, c'est là que nous dérapons caravane exactement le 22 juillet 2017. Nous commençons le travail là-dedans dans la l'ouverture. C'est dans la l'ouverture que nous commençons. Et si nous regardons la rue Cartagena, béton, deuxième grand rue, ça, c'est le rue Vincent, c'est le Vincent. Donc, nous connaissons Chantal, au niveau de Chantal, côté nous fait 1,5 km de canal. Nous gagnons la rue Toussaint Louverture, nous gagnons Général Borjola, nous gagnons la rue du Quai, nous gagnons Stéphane Vincent, nous gagnons Monseigneur Maurice, nous gagnons rue du Vieux-Hall, nous gagnons Cartagena, Cité Militaire, rue Capitale Prolongée, nous gagnons rue Bourjolis et Cafoubouette, nous gagnons zone Campéré, côté déjà réalisé environ 6 km de route et 6, 9, 15, les bons environ 8 km. Et nous gagnons une route méridien du 6 là. Et tout le monde qui est allé, route méridien du 6 là, déjà fait environ 7 km là-dedans. Actuellement là, déjà, m'a continué. Et route là, m'bralé et m'quitté Béo, m'a pas avancé. Au niveau de Chantal, n'a pas gardé ouais, tout terrassement pour me capable intervenir là-dedans pour mettre le vêtement. Mais toute zone pour entrer Chantal là. Maintenant entrer Chantal là, nous déjà fait en béton hydraulique. Ça dit béton hydraulique là, c'est sable gravier ciment. Ça dit que on pourrait que n'a pas avancé avec béton. Car niveau était fait déjà et là n'a pas avancé sur lui. Parallèlement, nous gagnons la route Cafoujout Saint-Jean du Sud. Et Cafoujout Saint-Jean du Sud, là nous déjà à environ 2,5 km et en termes de terrassement et caniveau. Nous gagnons la rentrée de nous gagnons la route MEBSH. Je ne sais pas si route MEBSH là, qui est la route nationale numéro 7. À Berjou, côté où nous sommes commissariat, on monte pratiquement qu'à rentrer au Bral Jérémy. Si bon problème, ou bien carnaval dans la ville là, ou qu'à rentrer à partir de Poste Bergeois et Bergeois, ou rentrer de la grosse route nationale numéro 7 là, que ou aller. Ensuite, nous gagnons dans le niveau Cavaillon vers et Baradet. Sous tronçon Outsa, déjà fait reprofilage. Et au chargement sont environ 13 km. Et curage des canaux que nous faisons, nous avons même besoin de mentionner le profilage au niveau Port-à-Piment. Port-à-Piment, Chardonnière, les Anglais. Et si nous prenons plateau central, si nous prenons plateau central, nous gagnons près de 6 ouvrages, alors sous financement Banque mondiale, que appel l'offre fait déjà, analyse dossier au fait.
déjà, c'est pont et sous rivière Rifeo, rivière Bonbon, rivière Walondri, rivière et la Talaye, et nous gagnons 6 gros dallots que nous avons fait sous rivière Nathan 1, rivière Nathan 2, rivière Nathan 3. Donc, moi, ouais, et il a fait mon signe. Donc, ça, son liste. Liste n'est pas exhaustive. Bon, globalement, ça que nous entreprenons, nous avons quand même dont il bagage sur Kafoujof avant que Malé. Et Kafoujof, hein, Kafoujof, c'est Kafoujof, pour les pères, il faut environ près de 70 km. Mais, pour ce route là, nous pourrons aller avec lui de Kafoujof, partant de Gonaïve, qui pourrait aller exactement en Saint-Paulin. Sous route ça, sous 5 premiers kilomètres, ça, ou après 5 premiers kilomètres, ça, qu'on y a ouvertu. À partir de PK5, là, de PK5 kilomètres, là, ou après, on a fond déviation, qui pourra laguer une route, là, quoi. Parce que, et, sous 10 premiers kilomètres, ça, l'emping qui était PK5, pour m'atteindre 15 kilomètres, là, sont zones qui sont totalement inondables. Sont zones qui sont totalement inondables, que nous-mêmes, nous obligés de faire une déviation, même si la pluie a bini, même si la zone est inondée, nous n'avons pas aucun problème. Nous avons gardé sous mon la crête, qu'on y a à nos côtés, nous faisons mieux qu'un kilomètre de canalisation, si nous avons gardé, mais l'enfin qui était mon la crête, nous prenons de blanche, et nous gagnons près de 4 km qui prêt pour prendre le vêtement. Mon ouest a demandé, côté caravane, dans le passé, ça a réglé pour eux, ça a fait pour eux. Et là, le ministre Caillot souhaite partager ensemble de précisions sur le travail qu'a réalisé dans plusieurs communes dans le département de l'Ouest. D'ailleurs, dans l'émission jeudi, nous étions tabac, nous étions Carrefour. Semaine dernière, nous étions quoi de bouquet et nous promettons dans le jour qu'a venu, nous avons bien pour nous fournir ensemble de communes qui t'a dû recevoir travail. Ministre PTCA, ingénieur Fritz Caillot, souhaite signaler là. C'est comme ça tout. La première congé de où? Merci à pile parce que tu es avec nous semaine ça sous télévision nationale d'Haïti. Restez avec nous et là nous promettons tout. On a bien pour nous retourner bien entendu avec d'autres chantiers souterrains. On a le fourni regarder qui s'est fait et dans quel niveau travaille. Bonsoir tout le monde.